Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Kinou et il s'agit de la découverte de Abandon Ship. Alors, comme d'hab, je connais pas grand chose du jeu. Je sais juste qu'a priori, il s'agirait d'un FTL version pirate. Alors, est-ce que vraiment c'est ça? Je sais pas, mais si c'est le cas, ça peut être sympa. Je suis pas forcément fan de pirate, mais on va voir. On va tester ça. Coucou Evan Somnia, bienvenue. Si on voit tes messages, t'inquiète, tu m'as, y a pas de souci. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, campagne principale, oui. Fuyez les griffes de la secte aux Alifrons et déjouez leur tentative de domination mondiale. La campagne principale, c'est un peu fort là. La campagne principale propose un tutoriel complet pour ceux qui jouent à Abandon Ship pour la première fois. Des sauvegardes automatiques sont exécutées pendant la partie. En trouvant des journaux de bord du capitaine, vous pourrez effectuer des sauvegardes manuelles dans un port. Oh là là, mais si en plus, c'est... S'il y a des sauvegardes à la Resident Evil. What? Nom de la partie, mon aventure. YOLO. Pour faire plaisir à YOLO un petit peu quand même. Tutoriel activé. Oui, niveau de difficulté. Occasionnel, facile, moyen. Je sais pas, ouais, moyen. Mode capitaine de fer, ça doit être comme le Iron Man, donc non. Non généré par les joueurs. Vous inscrivant à la newsletter d'Abandon Ship, vous pouvez faire ajouter votre nom dans le jeu. Si vous cochez cette case, tous les noms générés par les joueurs inscrits à la newsletter. Je m'en fous, non, je veux pas. Mode de démarrage rapide désactivé. Le seed, ok. T'étais sur le coup aussi, ouais, carrément. J'ai enfin pris le temps de bidouiller Miyoka et elle est trop top comme bot. T'es un génie plein de poussous. C'est clair ? On est d'accord. On est d'accord. C'est en montant le chat que j'ai vu que t'avais été banni et j'avais pas fait pas la fin du chat, ok. Non mais GG à vous en tout cas. Je sais pas, à mon avis c'est ceux qui sont arrivés en scred. J'imagine faire ça sur une chaîne de quelqu'un qui capte pas ce qui se passe. Oh, ils tombent en syncope, ils doivent se taper des bonnes barres des fois. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a une intro? Une intro. D'ailleurs, tiens, Squeezie, il stream sur Twitch. Je crois qu'il c'était qu'un YouTuber, Squeezie, non? Du coup, ça aurait pu être le déclic. Un cœur sauvage, la naissance d'un monstre. Il stream, ouais, ok. Ouais, mais pas sur YouTube, Gaming, non? T'as pas eu d'alerte de raid? Ouais, j'ai pas eu d'alerte de raid, c'est vrai. Ouais, non, mais moi aussi, c'est... Moi, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les pseudos aléatoires, en fait. Il stream sur Twitch. Ah, d'accord, ok. Je vais disparaître. C'est à ce moment que le dernier lien est coupé. Un éclair de lucidité, l'horreur de votre existence récente vous saisit. Vous pensez qu'à vous évader. Les tentacules s'agitent violemment dans l'eau, les individus tombent à genoux, certains par peur, d'autres par adulation. Leur dieu se manifeste. Vous observez la scène depuis votre position privilégiée, sur un balcon privé. Vous remarquez que vos deux gardes du corps sont distraits et ravis. Abattez-les. Fuyez cet endroit maudit. Événement. Instinctivement, vous attrapez quelque chose, vous le frappez sur la tête du premier garde venu. La violente surprise se lit dans ses yeux. Dans les yeux du second, quelques secondes avant qu'il ne s'écroule lui aussi. Vous ne savez pas qu'ils sont morts, s'ils sont morts ou inconscients, pardon. Vous sentez une goutte couler de vos doigts. Vous regardez votre arme improvisée, une petite idole de père. Elle est fissurée et vous a entaillé la main. Vous êtes en pleine dérive, mais quelque chose en vous vous ramène à la réalité. Vous devez faire vite. Les cellules offrent le chemin le plus sûr vers la liberté. Vous entrez dans la prison avec une autorité feinte. Peu importe! La place n'est pas gardée durant votre... Non, leur moment de triomphe. S'évader seul serait futile, alors vous saisissez les clés dans la salle des gardes et approchez les prisonniers. Qui allez-vous libérer en premier? Ça fait quoi si on les bannit pas? Bonne question. J'en sais rien. Rien, à mon avis. Peut-être qu'ils le répètent en boucle, je pense, surtout. Ils stream quasi tous sur Twitch, les youtubeurs, maintenant, vu qu'ils gagnent plus un rang avec YouTube. Ah oui, non mais oui, il aurait pu être mixeur aussi.
J'avais vu passer il y a quelques semaines sur Twitter un truc qui alertait justement aussi sur ce genre de raid de bot ces derniers temps. D'accord. C'est la première fois qu'on l'a vu ici. Alors. Appuyez sur la touche ouvrir pour libérer un membre de l'équipage. Qui allez-vous libérer en premier? Attendez, je reviens. Le navigateur donne un bonus à l'exécution des manœuvres du navire. L'artilleur est un expert en rechargement d'armes. Le marin est un soldat entraîné au combat de mêlée, utile pour les opérations d'abordage. Le chirurgien peut soigner l'équipage à l'extérieur de l'infirmerie. Et le matelot répare le navire plus rapidement. Donc ok, c'est la création du de l'équipage. Alors que sur FTL, on choisit directement en cliquant. Là. Enfin, voilà, c'est la façon de faire. Le pernel n'est pas le bannissement en soi. Le problème est le pic de vue que ça entraîne. Et du coup, ça alerte Twitch qui peut suspendre ton compte pour enquête en cas d'achat de vue. Ah! Ça génère aucune vue. Non, on est monté à 19, j'ai regardé. Ça, ouais. Ouais, les chatters sont différents des viewers. Faudrait que tu guettes d'ailleurs Elkino, il y a une démarche à faire auprès de Twitch pour ça. Ok, je me renseignerai. Mais ouais, c'est monté qu'à 19. Parce que je pense qu'il y avait. Il y avait 2-3 là, ceux qui ont dit bonjour, à mon avis, ils faisaient partie de. C'était eux les mecs qui ont fait ça en fait. Je suis navigateur, moi, monsieur. Monsieur. Toujours mieux que d'être appelé Père Noël nazi, cela dit. Ah, tu te rappelles aussi, Louis? Ah, c'était énorme. Non, c'est pas. C'était. Non? C'était un Père Noël. Ouais, c'était Père Noël nazi, ouais, t'as raison. Ouais. Vas-y, c'est qui le Père Noël nazi? C'était sur jeuxvideo.com. L'artilleur est un expert en rechargement d'armes, entraîné au combat de mêlée, utile pour les opérations. Tiens, on va faire ça. Voilà. Ouvrir. Le marin. Quel pauvre air allez-vous sauver ensuite? Navire plus rapidement. Ok. Le bruit a dû éveiller les soupçons maintenant. Dépêchez-vous et rendez la liberté à un prisonnier supplémentaire. L'exécution des manœuvres du navire. Donc on va en prendre que 3. Ok. Je veux dire quoi? Le 15-18, ouais. Il faudrait que tu guettes. Ah oui, non, pour dénoncer la démarche qui t'a frappé. D'accord. Ah, j'ai la flemme. Mais j'essaierai de voir. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça, Blacky, par contre. Mais bon. Ouais, ils vont pas me ban. Ils vont pas ban la chaîne pour ça. Ça serait chaud. Surtout après avoir eu autant de subs avant, ils vont capter, quoi. Que c'est pas. Enfin bon. Ok, le mien, après, je suis pas assez pointu, fait une différence entre les deux, mais il veut prévenir qu'il guérit. Oui, c'est sûr. Hein. De toute façon, je peux toujours reporter. Vous et vos nouveaux compagnons sillonnez les passages du labyrinthe. Enfin, une porte. La lumière s'infiltre à travers les fissures du cadre. C'est lancé à travers la porte. Vous fermez les yeux un instant pendant que la brise marine vous effleure le visage. En contemplant le chemin sinueux qui s'offre à vous, vous apercevez ce que vous aviez espéré, un navire à l'ancre. Il a probablement été volé et réaffecté par la secte. Il est temps de mieux l'utiliser. Sélectionnez l'équipage. Membre d'équipage en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. Ok, alors attendez déjà. Je me pousse. Genre là. Ok. Déplacer le membre de l'équipage en cliquant sur le bouton droit de la souris. Ok. Si vous cliquez le bouton droit de la... Maintenant, déplacez tout l'équipage à bord du vaisseau. Rappelez-vous que vous cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner et cliquez avec le bouton droit de la souris pour donner l'ordre de déplacement. Vous pouvez également sélectionner plusieurs membres d'équipage en cliquant sur le bouton gauche. Restez appuyé. Oui, d'accord. Ouais. Merci. Allez, hop, hop, hop et hop. Maintenant, coupez les cordes qui amarrent le navire à l'acheter. Sélectionnez un membre d'équipage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'endroit où les cordes sont fixées au navire. DG, tu vends un bateau sans mât. Ouais, mais le mât, il est escamotable, je suis sûr. On a vu une souvenir. Et voilà, je te partage les infos que je sais. T'es peut-être pas concerné, si ça n'a pas entraîné de pic de vue, tu seras pas inquiété. Ouais, mais je regarderai quand même. C'est juste que faut que je trouve le temps, quoi. Maintenant, manœuvrez la barre à roue du navire pour vous échapper. Sélectionnez un membre d'équipage en cliquant avec le bouton droit de la souris de la barre à roue du navire.
On peut prendre le... Le capitaine. La barre à roue. La barre, quoi. Mais si, regarde, il y a deux voiles sur... Des douzaines de fidèles de la secte se précipitent en furie sur la jetée pendant que vous éloignez un grand prêtre à leur tête. Son avertissement atteint vos oreilles et transpire le mépris. Entends-moi, traître. Notre père te connaît et te voit pour toujours. Tu ne m'échapperas jamais. Tu n'échapperas jamais à son étreinte. Pendant qu'il parle, les autres fidèles se dispersent, sans doute pour entamer la poursuite avec leur propre navire. Il va envoyer des vaisseaux à votre poursuite. Partons plus vite. Ce genre de FTL, bah c'est ce que je crois, ouais. Est-ce que je vais pouvoir choisir mes deux jeux maintenant? Vas-y, go, ouais. Carrément, go. De toute façon, Lumi est là. Les fortifications côtières ouvrent le feu sur le navire dès qu'il a quitté, dès qu'il quitte la jetée. Des obus de mortier arrivent. OMG, non! Mettre la pause avec espace. Entends-moi, traître! Bon, bah tant pis. Sad face. Lola, Vincent, bien. Ok. On a mis la pause. Comme FTL. Ok, bon, je vais remettre. Ah mon dieu, non! Un obus de mortier a fait chuter la santé d'un membre d'équipage à zéro. Quand cela se produit, le membre touché se retrouve invalide et obtient un trait physique négatif. Une fois invalide, vous disposez de peu de temps pour le stabiliser. Lorsqu'un membre d'équipage est stabilisé, il restera inconscient pour le reste de la bataille, mais il survivra. Si vous ne le stabilisez pas à temps, il mourra. Mais ne vous inquiétez pas, dans la situation présente, le temps sera bloqué avant qu'il ne soit totalement écoulé. Sélectionnez n'importe quel membre d'équipage debout en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. Placez le curseur du membre d'équipage. Sur le monde. Putain, n'importe qui. Ouais, tiens-toi là. Comme ça là. Ça, soigné. Là, on verra stabiliser son collègue invalide. Notez que les chirurgiens stabiliseront les autres membres beaucoup plus rapidement que quiconque. On peut pas zoomer, dézoomer. Ok. C'est un FTL. Ah, mais je veux pas savoir, Jaleniel. Oh là là, spoil. Je croyais que tu connaissais pas, Jaleniel. T'as dit que t'étais intrigué. Attends. Avant la pause. Je remonte le chat, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas possible même. Je m'en souvenais pas. Ah d'accord, ok. Le tir de barrage a endommagé la coque du navire. En bas à gauche de l'écran se trouve une barre qui indique l'état de la coque. Là. Ah merde. Si cette barre est vidée, le bateau coule. En bas à droite, les sections et leurs états sont affichés. L'état de la section influence les performances de tout ce qui se trouve dans cette section. Un état jaune signifie une efficacité de 50%. Un état rouge signifie que rien ne fonctionnera du tout. Ouais, c'est du FTL, quoi. L'équipage peut réparer les sections du navire. C'est écrit tout petit et moi, je suis vieux. Sélectionner un membre d'équipage et déplacer le curseur de la souris dans la zone encerclée. Sur le curseur de la souris, se transforme en icône de blablabla. J'aimerais bien zoomer un peu plus. J'avais quand même oublié le nom, c'est pour ça, mais dans tous les cas, je dis plus rien. Je dis plus rien. Non, ça a l'air cool, mais c'est typiquement le genre de jeu que je ferais hors stream, je pense. Tir de barrage a également blessé un membre de l'équipage. La santé de chaque membre d'équipage est située au niveau de l'icône au-dessus de leur tête. C'est ça. Boulet. Il s'appelle Boulet, lui ? Non, c'est le... Vous pouvez le soigner en les envoyant à la table médicale de l'infirmerie. C'est la table médicale, ça ? C'est tellement petit. Moi, je dis pour rien qu'il pourrait spoiler, quoi. Juste que moi, il m'avait bien plu du peu que j'en avais vu. Les graphismes sont super jolis. J'aime beaucoup... De toute façon, je suis fan de FTL, moi. Mais c'est pas le genre de jeu que je veux vraiment faire en live parce que c'est pas le genre de jeu qui se finit. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si, il y a une fin, mais c'est répétitif, faut recommencer encore et encore et encore, et ça dure des années, quoi. J'exagère. C'est pas encore fini, mettez-vous à couvert.
Ok. Comment on fait? Je mets la pause. Ah bah non, je mets pas la pause, c'est le tutoriel. Aïe, aïe, aïe. Nous avons été touchés par une arme qui provoque des fissures dans la coque. Celle-ci fend le pont et fait perdre l'eau au navire. Il y a une jauge d'eau au-dessus de l'état de la coque. Si elle se remplit entièrement, le navire coule. Non mais il y a une fin. Mais c'est comme tous les roguelikes, il y a une fin, Jean-Liniel. Mais c'est juste que c'est répétitif et c'est pas le genre de jeu que je veux faire en live. Moi je veux des jeux à scénar quoi, tu vois ce que je veux dire. Des jeux, pas des jeux qui soient répétitifs comme ça. Celle-ci vous avertira lorsque... Parce que le principe du roguelike c'est de crever pour garder certaines choses et être meilleur au round d'après. Donc tu veux des campagnes, exactement. Parce que j'ai pas le temps, j'ai que 17 heures de stream par semaine. Je peux pas, j'ai pas le temps de faire ça. C'est pas possible. C'est comme voilà. Bref. Putain, c'est cool, j'aime bien les vieux bateaux de guerre. Moi les pirates, je suis pas ultra, ultra fan, mais faut voir. Celle-ci vous avertira lorsque vos jauges aura atteint un niveau critique. La cloche sonne également lorsque l'état de la coque est dangereusement dégradé. Agissez de façon déterminante lorsque vous entendez la cloche, sinon vous risquez de couler. Vous devez ordonner à votre équipage de réparer les fissures de la coque, c'est fait déjà. Et en parlant de FTL, il y a Space Rogue, je crois, c'est ça, que j'avais fait vider la jauge d'eau. Vous pouvez abaisser le niveau de l'eau en utilisant les pompes à l'arrière du navire. Je l'avais fait en stream, en découverte. J'avais trouvé ça très cool. Après, j'ai fini hors stream, quoi. Pas forcément pirate, mais genre navire de guerre, ok. J'aimais bien quand j'étais gosse. Moi, j'aime bien les dinosaures aussi. Nous sommes presque hors de portée, encore un tir de barrage. On peut pas rien y faire en fait. Ça sert à rien de mettre la pause quoi. Nous avons été frappés par une arme avec diminution enflammée et un incendie s'est déclaré. Les incendies endommagent les sections et blessent l'équipage. Ils vont se propager si votre équipage ne les éteint pas. Putain, il faudrait qu'ils sortent l'extincteur. Pas en train de réparer un truc, toi. Nous sommes hors de portée, mais restez en alerte. Fuir, cliquez sur le bouton surveillance pour accéder à la carte d'exploration. Quittez le combat. Oh là là. Paf. Paf. Là. Là. Là, là. Là! Tiens, là voilà. Je suis fanat de piraterie perso, j'aurais vécu à cette époque, j'aurais été pirate. Ah ouais? Vous êtes en mode exploration, déplacez votre navire en cliquant sur une zone si vous préférez. Vous pouvez maintenir le bouton de la souris enfoncé, votre navire se déplacera vers l'endroit où vous placez le curseur de la souris. Je suis où? Je suis là. Wouh! Fuir par la porte maritime, c'est-à-dire... Vous pouvez voir toute la carte en cliquant sur le... Ah mais on se calme. Oh là là. Je me fais tirer dessus en fait parce que je suis dans le cercle. La carte... Ah ouais. Rigolo. Faut que je suis par là. Ceci est la carte de la région où vous vous trouvez. Le cadre qui entoure la carte marque les limites de votre exploration. Au-delà se trouve une mer tumultueuse bien trop dangereuse pour qu'un capitaine puisse s'y aventurer ou en revenir. Accéder à une nouvelle zone en naviguant à travers les chemins sûrs et bien cartographiés, connus sous le nom de porte maritime. Vous devez maintenant vous échapper par la porte maritime actuellement en surveillance au bas de l'écran. Pour l'instant, les autres ne peuvent pas être ouvertes. Attends, on va explorer. Ok. Tac. Donc par là. Utilisez le bouton pour visionner toute la carte si vous avez besoin de vous rappeler où elle se trouve. Ok. Fuyons! La porte maritime est fermée, il est possible d'ouvrir les portes maritimes fermées en résolvant un certain nombre d'événements. Il existe un indicateur d'événements au niveau de la porte maritime. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, vas-y. Au niveau de la porte, là. Un vaisseau de la secte en patrouille est tombé sur nous. Aux armes, n'ayons aucune pitié.
Non, c'est pas mal, hein. Franchement, pas mal. Rappelez-vous les leçons que vous avez apprises jusqu'à présent. Ils m'apprennent pas à mettre la pause, mais je le sais. Pointez les canons vers l'ennemi. Un membre d'équipage pour piloter toute une batterie de canons. Ah ouais, un seul pour les canons. Ben, alors attendez. Je sais plus ce qu'ils font, les... C'est quoi leur... C'est comment... On sait pas, hein. Mais je sais plus ce qu'ils font. Le navigateur, il navigue. Le matelot, il matelote. Le marin, il marine. Et le capitaine, il capitaine. Il capite. Bah, je sais pas, on va mettre... Il me sent... Ah non, lui, c'est... il attaque, je crois. Il aborde. Ok. Navigateur ou matelot, tiens. Le matelot, il va aller là. Merde. Ok. Tiens, toi, tu vas aller là. Et tir de grappe. Je sais pas. On va faire ça comme ça. Il veut pas aller là. Une arme se rechargera si quelqu'un la pilote et que l'état de la section n'est pas dans le rouge. Gardez un homme à disposition des canons jusqu'à ce que la barre de rechargement devienne bleue. Le navigateur guide la navire. Bah, il navigue. Ankh-Morpork. Ankh-Morpork. Ankh-Morpork maritime, fais attention au bord du monde, fais demi-tour à la vue d'une trompe d'éléphant. Lol. Tu lis trop Pratchett. Ah, mais oui, attendez. Toi, tu vas aller là en fait. Tac. C'est pas mal comme ça. Navigateur. Bah, il va faire ça là, je sais pas quoi. Est-ce que après on peut, genre. Ah ouais. On va péter les mâts là. Ça marche comme. Aïe! Fuite! Répare! T'arrives les canons là, c'est bon là. Oh ouais, tire! Ils ont pas tiré, hein. Maintenant que les armes sont chargées, tirez et cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton d'une des armes pour la sélectionner. Mais j'ai fait déjà. Attends, ça m'a bien déplacé le. Ah, bouton droit, merde. J'ai pas fait ça. Je suis con. Bam! Ok. Réfère-toi à Star Trek, c'est la même chose pour ainsi dire. Non, mais je plaisantais, Marc. Oh là là. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils bougent pas les canons et qu'ils les mettent pas de l'autre côté? On peut pas réparer. Ah, si, on peut réparer là. Vous pouvez régler une arme sur tir automatique en cliquant sur le bouton droit de la souris sur le bouton arme. Le tir automatique peut être actionné sur chaque arme en batterie. Ok, d'accord. Ça a marché? J'ai l'impression que ça a fait quoi que ce soit. Ça marche pas ton truc. Vous avez validé ce message, vous pourrez passer des ordres pendant que le jeu est en pause. Servez-vous de cette méthode si les choses deviennent incontrôlables. Oui ben... Rappelez-vous, chaque membre d'équipage possède une spécialité. Un homme d'équipage affecté à son poste prédilection conférera des avantages. Cette efficacité fera souvent la différence entre la gloire et les profondeurs saumâtres de la défaite. Passez la souris sur leurs icônes en surbrillance dans le coin inférieur gauche de l'écran pour voir leurs compétences respectives. Ok. Coucou Avia, comment vas-tu? Je me marre, le jeu que je guette sont... Les jeux que je guette sont en anglais, mais ont un descriptif en français. Le premier jeu que je trouve en français a un descriptif en anglais. Je me gosse comme une idiote devant mon écran. Lol. Ça va, hein, baisse le ton, hein, mais non, mais je baisse le ton si je veux. Je comprends pas pourquoi ça a... C'est la souris sur leurs icônes en surbrillance. Ah. Oui. Ah, d'accord, ok. Ça se voit. Si vous placez le curseur sur les sections ennemies, vous... Attendez deux secondes.
le capitaine a deux partout en fait. Lui il a deux en combat et en mêlée et en esquive. Il a deux en réparation spéciale et réparation et manœuvre d'évitement. Réduit la précision des tirs de canon et de mortier ennemi. Seul le navigateur possède la compétence manœuvre avant l'évitement. Augmente lorsque l'ennemi tire au canon ou mortier sur vous pendant que le navigateur est à la roue du navire. Donc on a bien fait de le mettre là-bas en fait. Ok, et sinon. Ah non, à la roue, pas à la barre. Si, il est à la barre de manœuvre, il doit être là. L'attaque. Ok, oh, bah, on est bon en fait. Si vous placez le curseur sur la section ennemie, vous obtiendrez des avantages sur les barres à roue. On aura peut-être dû viser les canons en fait. Bien, je me lève, mon neveu a un PC de complet et crash sur DirectX. Ah merde. Un PC de complet et crash sur DirectX, pardon. J'arrive pas à lire aujourd'hui. Mais je suis désolé pour ton neveu. Moi, ils m'ont envoyé mon PC. Ok, on me pète les voix là. Souhaitez vous rapprocher du vaisseau ennemi, la barre de distance. Oh, t'es bien, t'as. Cliquez sur le bouton surveillance pour rapprocher à courte distance. Le vaisseau peut effectuer des manœuvres ou changer de distance uniquement si quelqu'un manie la roue. On va voir, hein. Manœuvrer la couleuvrine pivotante. T'as, c'est écrit trop petit, je suis désolé, je suis trop vieux. Qui nous claquait trop d'émotions à Viago lui remontait le moral. Je suis fatigué, c'est vrai. Je suis fatigué déjà, c'est mardi. Et en plus, Avia, les gens ont fait les fous aujourd'hui. Mais là, on a fini Doom. Ok. Il y a eu Neutral qui a fait le fou en balançant plus de 100 euros de pourboire, 20 subs. Et des bits. Kioma qui a balancé 10 subs et un panier. On a fini Doom Eternal. Et en plus, il y a eu un spam, un fake raid. spam de Squeezie. On a eu un raid de Squeezie, voilà. Ça arrivait, ils sont tous partis en. Comme ça, il y a Lumi qui a fait pop. Et puis Blackie a chopé une épée aussi. Voilà. Sérieux, t'as loupé, Avia. T'as loupé. Courage, merci. Ah là, mais. Il reste 20 minutes, c'est bon. Je voulais un jeu pépère en plus, un jeu pépère, c'est tranquille. Faut que je boive. Faut que je boive. Ah, mais c'est. C'est surtout que c'est le mardi en fait. Vraiment, hein. Freedom! Coucou Mara Vega! J'entends que j'ai loupé plein de trucs. T'as loupé plein de trucs, Mara Vega. Mais c'est pas grave, il y a l'ardif, c'est prévu pour ça aussi. C'est fait pour. Voilà, je sais plus parler. Et en plus, je suis trop vieux et j'arrive pas à lire. Vraiment, je trouve que. Je sais pas si c'est parce que je suis vraiment fatigué, mais c'est vraiment difficile de lire là. C'est le blanc sur noir aussi, ça peut pas aider. Ça me fait saigner les yeux. Manœuvrer la couleuvrine pivotante à boulet chaîné et chargez-la à fond. Évidemment. On va manœuvrer la couleuvrine pivotante à boulet chaîné. Allez. Chargeons-la à fond. Donc, c'est pour aborder, c'est ça? Par contre, j'aimerais vraiment le tir automatique là, ça a pas l'air de fonctionner plus que ça. Non, ça fonctionne pas. Hein. Il dit clic droit, ou alors il faut. Pourquoi est-ce que je peux plus. Ah, je peux plus tirer parce que je suis trop près? Non, parce que c'est. Y a ce truc là. Pardon, autant pour moi. C'est à cause du tutoriel. Ok. Tir de boulet chaîné ne peut viser que la voilure. Ah non, là, c'est pour virer les voiles en fait. Quand l'arme est prête à tirer, cliquez sur le bouton gauche de la souris pour la sélectionner. Si sélectionner les voiles. Ah, putain, c'est. Yeah.
Kilo, tu deviens mon fournisseur officiel d'Hidden Object. Ah oui, tu m'étonnes, t'as choisi tes jeux. C'est vrai que j'en ai beaucoup à filer. Alors, quand l'arme est prête à tirer, cliquez sur le bouton gauche de la souris pour la sélectionner. Sélectionner. Ciblez les voiles. Mais il n'y a pas de voile. Chérie, ça va vibrer. Oh non. Il n'y a pas de voile. Je peux pas cibler les voiles, il n'y en a pas. Parce que je les ai déjà détruites, en fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce jeu qui prend pas en compte ce que j'ai fait? Vise la coque. Bah, je peux pas viser la coque avec avec ces trucs-là. C'est un truc qui est fait exprès pour virer les voiles. Et le tutoriel, il... Enfin, je crois, hein. Ah non, c'est bon, ok, d'accord. C'est juste moi qui les voyais pas parce qu'elles sont invisibles. Voilà. Les voiles sont cassées. C'est bon, maintenant je peux faire autre chose, le jeu, s'il te plaît? Endommager les sections de main dans le rouge permettra de les rattraper plus facilement. Maintenant que vous êtes à courte distance, utilisez votre autre couleuvrine pivotante sera à portée de tir. Celle-ci tire des grappes de projectiles. C'est une arme antipersonnelle. Affectez-y un homme et chargez-la à fond. Tiens, on va mettre le capitaine. Il n'y a plus besoin de piloter, là. Ça avance tout seul. Hein. Faut que quelqu'un répare aussi, là, en fait. Mais, ça m'énerve de pas... Je peux plus tirer. Va réparer, toi. On serait con qu'on se noie, là. Tac. Sur l'aigus, là, c'est ça? Il faut faire un clic droit, pardon. Bim. C'est bon, je peux tirer maintenant. On va tirer sur, je sais pas moi, là. Du coup, c'est ici le live et nous. Non, c'est chez Squeezie, OSC. C'est pas ici, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, mais alors vraiment beaucoup. Hein. Oh là là. Et prenons l'ennemi, vous pouvez effectuer des manœuvres spéciales comme celle-ci lorsque la barre de manœuvre est pleine. La barre de manœuvre se charge lorsque quelqu'un tient la barre. Quelqu'un avec une grande habileté de navigation chargera la barre plus rapidement. Ah oui, je l'ai viré, le capitaine. C'est pas mal, hein, parce que du coup, il y a pas mal... C'est beaucoup plus complet que FTL, en fait, j'ai l'impression. Ah voilà. Ok. Trouver comment faire pour les trucs automatiques, ok. Pardon, je vais quand même rester pour voir si c'est bien. Non, t'es pas obligé. C'est pas bien ici en fait. C'est pas bien. Il y a trop d'amour ici. Tu vas pas te plaire. C'est pour ça que je voulais rien dire, mais t'as bien fait. T'es bien fait. C'est vrai qu'on voit pas les... C'est bizarre. Ah! Merde, à chaque fois je fais clic gauche. Attends, je maintenant que la barre est complètement chargée, les manœuvres sont disponibles. Est-ce que vous êtes prêt à appuyer sur la touche souriage pour les faire? Ok. Certaines actions comme l'éperonnage provoquent un test de collision. L'échec de test signifie que l'équipage tombe sur le pont, interrompt temporairement ce qu'il fait. Lorsqu'une collision intervient, le bouton surligné devient actif. Appuyez à temps, sinon vous échouerez le test. Comme c'est votre première fois, nous vous laissons appuyer sur le bouton maintenant. C'est gentil. Bim.
Bim ! L'ennemi a échoué en test de collision. L'impact a même provoqué... Taille du rôle, là. L'impact a même provoqué par-dessus... la chute par-dessus bord d'un des membres d'équipage. Ils peuvent utiliser le treuil à l'arrière du navire pour le secourir. S'ils n'y parviennent pas avant, il se noiera. Votre propre treuil est mis en surbrillance, ok. Si l'un de vos membres d'équipage se trouve dans l'eau, assurez-vous d'affecter un homme au treuil pour le secourir. À la fin d'une bataille, vous êtes en mesure de récupérer tous les biens de valeur. Dans ce combat en mode tutoriel, l'ennemi n'a pas réagi aussi agressivement qu'à l'accoutumée. Alors soyez prêts pour un combat plus difficile la prochaine fois. Ok, du coup, est-ce qu'on peut envoyer... lui là. Quel équipage. Ya yeah. À l'abordage. Ah c'est cool. C'est rigolo. Ça manque d'un zoom et d'un dézoom en fait. Ok. Et maintenant on revient tous. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Par contre, du coup, t'as pas la mécanique de l'oxygène puisque t'es pas dans l'espace. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais il y a l'eau. Il y a l'eau. Comment allez-vous? Bah, par contre, ça va bien. Je suis fatigué, quoi. À la fin d'une bataille, vous êtes en mesure de récupérer tout ce qu'il est. Non, mais en plus, ils mettent pas à la trade. Ça va pas être facile, hein. À la fin d'une bataille, vous êtes en mesure de récupérer tout ce qu'il est bien de valeur. Dans ce combat en mode tutoriel, l'ennemi n'a pas réagi aussi... Tu m'as dit... Saisissez tout ce que vous pouvez et faites vite, d'autres vaisseaux vont arriver. Vous n'avez pas à vous soucier de la réparation de vos sections ou de la guérison de votre équipage. Cela se produit automatiquement lorsque vous revenez à la carte d'exploration. C'est cool, ça. Tant que vous avez les pompes à eau, retourner en mode exploration videra automatiquement votre jauge. Donc je peux piller en allant là-bas, c'est ça? Est-ce que vous êtes prêt à appuyer sur la touche en surveillance pour revenir à la vie? Non. On peut pas prendre le bateau, le désosser complètement. Bon. Tant pis. Bon, on va faire un combat de plus, voir ce que ça donne. Maintenant la porte maritime. Vous pouvez fuir cet endroit. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le passage aquatique pour quitter la carte d'exploration. Oh mon dieu. Ceci est la carte du monde. Elle indique les autres zones d'exploration vers lesquelles vous pouvez vous rendre à partir de la porte maritime où vous vous trouvez actuellement. Les déplacements entre les cartes ont un coût en vivres. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur une autre carte pour définir votre destination. Le narrateur est devenu subitement vieux, je sais pas pourquoi. En fait, il me trouble avec les... Cliquez sur bouton gauche, bouton droit. Je m'en fous, je teste. Maintenant, c'est à l'équipage que vous devez faire le point et que... Vous annoncez à l'équipage que vous devez faire le point et que vous ne devez pas être dérangé. Dans la cabine du capitaine, vous trouverez des vêtements propres, appartenant très probablement aux pauvres malheureux qui occupaient la cabine avant que la secte n'en ait pris possession. C'est bon d'être enfin débarrassé de ces robes de cérémonie. Vous les rangez soigneusement, sachant qu'elles peuvent encore avoir de l'utilité. S'examiner dans le miroir. Oh ! Créateur de personnages. Ah, ça, c'est bien. Tu vas bien ? C'est cool, OSC. L'Affranchi, créateur de personnages. Non, je ne m'appelle pas L'Affranchi. Je m'appelle Elkineux. Et je suis vieux. Oh ouais, carrément vieux comme ça, ouais. Je suis blanc comme un cul. Vous êtes L'Affranchi autrefois, votre dévotion pour père était tout l'avenir dont vous aviez besoin. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous n'êtes plus une partie inconditionnelle et cruciale de ce tout. Maintenant, vous êtes affranchi de cette emprise et êtes libre. Vous ne reconnaissez pas le visage qui vous fait face. Qui suis-je? Étais-je? Hein? Tout ce dont vous êtes certain, c'est que votre passé a été volé par un être connu sous le nom de père. Une étincelle en vous a percé le brouillard de votre dévotion aveugle. Maintenant, vous devez l'enflammer. Si vous voulez avoir une chance de redevenir vous-même, alors seulement votre quête de réponse et votre vengeance pourront commencer. Je confirme. Vous ressortez sur le pont et l'équipage se met au garde à vous. Nous ne sommes peut-être échappés, commencez-vous, mais nous ne sommes pas encore en sécurité. Ça rime.
Nous devons atteindre un port, puis nous séparer. Oh, ça rime encore plus. C'est moi qu'il recherche. Nom d'un bébé. Vous retournez dans votre cabine et vous vous affalez sur une chaise. Quelques instants plus tard, une forte sensation d'épuisement vous plonge dans un profond sommeil. Toujours adulé et toujours dans ses pensées, vous étiez le premier. Mais il savait que quelque chose en vous avait changé. Ainsi, vous aviez été marginalisé. Être devenu une icône symbolique sans réel pouvoir. Vous vous en fichiez. Quelque chose en vous prenait de la force. Petit à petit, le brouillard se dissipait. Continuez. Un coup sec sur votre porte vous réveille. Quelques instants plus tard, vous revenez sur le pont pour donner des ordres. La forteresse de la secte est loin des terres habitées. Nous devrons naviguer en eau profonde avant de trouver un port. Ça marche ? Cliquez sur le bouton surveillance pour visualiser votre vaisseau. Ok. C'est la vue globale de votre vaisseau. Vous pouvez modifier vos paramètres par défaut qui sont utilisés au combat. Appuyez sur un bouton de la barre de distance pour définir votre portée préférentielle. En combat, ça signifie que votre vaisseau essaiera automatiquement d'atteindre cette distance. Bah, je sais pas, moi, là. Sauvegarder les positions d'équipage signifie que vos hommes débuteront le combat au poste défini par vous. Disposez votre équipage aux endroits les plus optimaux et appuyez sur le bouton en surbrillance pour enregistrer leurs emplacements. Treuil, pompe à eau, tir de boulet chaîné. Bien comme ça là. Capitaine manœuvre. Donc ça c'est le treuil, c'est pas la... C'est pas le gouvernail en fait. Mais c'est quoi caméra? C'est... Je comprends pas. Ok, ben ouais, mais ça dépend... On va toujours arriver par de ce côté-là? Ah là, ok, tac. Si vous avez besoin de remettre vos membres d'équipage en leur emplacement enregistré, appuyez sur le bouton en surbrillance. Ce bouton en surbrillance peut être utilisé pour faire tourner le navire. En combat, ceci ne peut être effectué que si votre barre de manœuvre est complètement chargée. Et si vous pouvez définir votre côté préférentiel, faire face à l'ennemi lorsque vous commencez une bataille. Cela peut être utile si vous équipez chaque côté avec différents types d'armes, comme par exemple une arme à courte portée d'un côté et une arme à longue portée de l'autre. Oh là là! Vous êtes prêt à appuyer sur la touche en surveillance pour revenir à la vue d'exploration. Tu vas dodo Calimone, de toute façon on va pas tarder non plus. Bonne nuit à toi, merci d'être passé. Et à la prochaine. Prochain stream jeudi 21h sur Bloodborne. Je serai probablement un peu moins fatigué. Bah voilà, on va toujours commencer dans ce sens là j'imagine. Donc on peut faire ça comme ça. Je sais pas moi, comme ça. Non. Là. Tac. Sauvegarder. Voilà. Hop. Je dis cool. Cool. Il y a un phare au loin. Appuyez sur la touche en surbrillance pour voir où il se situe. Ok. Ah ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut lire ? Les phares éliminent naturellement le brouillard de guerre autour d'eux, de sorte qu'ils sont visibles dès votre entrée sur la carte. Les phares détiennent des cartes détaillées de la zone locale, ainsi qu'un point d'observation élevé. Naviguer au niveau du marqueur d'événement situé à côté d'un phare vous permettra d'enlever tout le brouillard de guerre restant sur la carte. C'est bien ça. Le mode d'exploration en cliquant sur le bouton surveillance. Oui, madame. Tac. Oh, putain. Vous devez continuer votre fuite de la secte en quittant cette carte d'exploration. Ouais, c'est comme FTL. Gazer la porte maritime de sortie, effectuer le nombre d'événements requis pour le déverrouiller. Si vous naviguez d'abord jusqu'au phare, cela vous aidera à explorer la région. Logique. Courir un grand danger tant que vous êtes aussi près de la forteresse de la secte, quittez la zone rapidement. Ok. Ah voilà, bien tout découvert. C'est cool. C'est marqué ce que c'est. C'est des kraken. Il y a des monstres marins aussi.
Je fuis en traversant la porte maritime. Et laquelle? Les dents. Je suis là. Il y a une porte sous moi. Là. Juste là. Ok. Ben... Je sais pas. Juste faire un combat. Travaille, dodo. Là, il y a un bateau. Sinon, ça va être marqué quand on va se rapprocher de la carte, c'est ça? Les dents. Tiens, il y a quoi, là? Les dents. Vos premiers jours en tant que sectaire vous reviennent à l'esprit. Les jours passés à tester la forme et la force de votre nouvelle dévotion. Accablé par le doute existentiel, vous êtes jeté du sommet, comme tant d'acolytes après vous, dans les eaux rocailleuses en contrebas. Vous êtes né de nouveau, ignorant de la légende qui deviendrait votre rite de passage. En revenant à la réalité, vous remarquez un corps qui bouge sous l'eau, dans l'eau, sous l'eau, dans l'eau, sous l'eau, dans l'eau. Seuls les plus fanatiques ou sadiques forceraient encore les néophytes, sous leur tutelle, à prouver ainsi leur amour pour père. Souhaitez-vous inquiéter, si tu veux. Vous voyez le corps marcher sur les eaux alors que vous approchez. Mes frères n'étaient pas dignes, mais j'ai survécu. J'ai été choisi, hurle-t-il, comme s'il s'attendait à ce que vous alliez le chercher. Vous le soupçonnez d'être à moitié délirant, mais sa dévotion est évidente. Il est trop risqué de monter à bord, et avec la secte à vos trousses, vous n'avez pas le temps de le déposer sur une île voisine. Vous entendez encore ses cris quand vous repartez en mer. Même maintenant, il pense que c'est sa dernière épreuve. S'il survit, il servira Pella avec zèle. Ok. Direction à la porte. Pour voir ce que c'est que la quête qu'il faut faire. On sait pas. Ah, je peux quand même... Ok, dézoomer comme ça. Ah, on peut réparer le bateau là, c'est ça? Peut-être qu'il faut taper le bateau là. Tiens, on s'en fout, on va aller voir. Bonjour! Ah, c'est pas un fight, ok. On a récupéré 20... je sais pas quoi. Imagine qu'il y a des ressources et tout. Donc ça doit être là. Ah, il y a un point d'exclamation là. Ok, ça on répare le bateau, logique. Point d'exclamation là. Ça dit rien. Ok. Événement, la vigie dans le nid du pi. Coucou Maneko. D'après le truc en bas à droite, il y a 3 portes verrouillées et une porte où il faut faire 4 objectifs apparemment. Ah oui, c'est 1 sur 4 comme marqué sur la porte. Ok, mais ça dit pas... Ouais, d'accord, je pensais que c'était autre chose, ça. Ce jeu a l'air cool, mais trop de texte à mon goût. Il y a beaucoup de texte, hein. Je suis pas en état de lire autant, moi. Je vais continuer les aventures de Gérald de Rivia. Ça marche, Marc. Bah, si tu stream, on va peut-être aller te voir dans quelques minutes, à mon avis. Dirigez votre longue vue en direction de ce qui désigne frénétiquement avec son bras et un vaisseau sectaire surgit rapidement de l'horizon. Vous allez l'intercepter pour le meilleur ou pour le pire. Pas risquer qu'il nous repère et révèle notre position à l'attaque. Alors, je voulais juste un combat de plus pour voir ce que ça donne. Alors, donc la barre contrôle la vitesse de recharge de la barre de manœuvre. Impossible à changer de distance ou d'amorcer les manœuvres sans quelqu'un, un pilote. Ok, en fait, on va aller là avec lui. En fait, il faudrait mettre les 4 là. On n'a pas besoin de la barre si on bouge pas, en fait. Donc je vais viser les canons. Quoique ça va peut-être pas pouvoir tirer. Si c'est gentil, bah c'est normal, Marc. A tout de suite. BRB, CTA, Eve. Ah tiens, il y a un truc gratos pour l'anniversaire de Eve. Je crois que c'est leur anniversaire. Ok, alors. Clique là. Et... Tire là. Clique là. Et tire là.
Clique là. Et tiens là. Hors de portée. Ah, malin. Et là. Ça marche. Donc toi, on tourne là. Bim, 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 bim. Brashta. Ah oui, parce que comme ça, ça monte la barre de manœuvre, en fait. Mais au moins, il a chargé le canon. Normalement, il n'y a plus qu'à se... il n'y a plus qu'à attendre. Ça. Ils font rien ? Pourquoi ils font rien ? Ils ont pas de canon ? On se rapproche ? Ils s'éloignent, c'est ça ? Ah, ils réparent là, ils ont réparé la voie là. Ok, il faut. Pourquoi je peux pas me rapprocher ? Oh, genre ! Je peux pas me rapprocher parce que il fait chier lui, c'est ça? Je peux m'éloigner. Ah, c'est bien parce que. En fait, ok, d'accord. Donc il faudrait que je pète le gouvernail. Pour qu'ils arrêtent. Ok. On change de stratégie. On tire là. Je continue là. Parce que là, en fait, nous on essaie de se rapprocher, ils essaient de s'éloigner en fait. Ils veulent nous garder à distance. Ouais. Ah, mais il est bien ce jeu. Ah merde, il coule. Ah, bah non. La victoire est douce, mais plus doux encore est le butin récupéré. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, donc y a rien à... Ok. Alors, est-ce qu'on sait... Ah, 2 sur 4, donc il faut buter... il faut buter... 2 chips pour... pour ça... ouais, il est très classe. Il est très classe, j'aime bien. Très classe, je pensais que les combats allaient durer un peu plus longtemps, mais non, c'est le début, donc ils sont un peu weak. On dirait. C'est dommage qu'on puisse pas se déplacer sur la grande map, en fait. Oups, pardon. J'avais dit un seul combat, mais c'était tellement rapide. Dernier run. Allez, dernier run. Un vaisseau de la secte vous poursuit avec acharnement depuis un moment. Il est petit, mais léger. Il gagne lentement du terrain. À travers la longue vue, vous apercevez un visage familier qui tient la barre. Et votre cœur se serre. Les parents de Samuel ont été parmi vos premiers initiés. Quand ils ont péri, vous avez veillé à ce que l'orphelin soit bien pris en charge. Même après toutes ces années, vous imaginez qu'il vous admire encore. Vous rappelez fièrement l'avoir vu prendre le commandement de son premier navire, peu importe qu'il s'agisse d'un vaisseau délabré, semblable à un navire d'ouvrier. Le même vaisseau vous poursuit maintenant, bien qu'il ait l'air clairement amélioré depuis. Qu'est-ce qu'il cherche ? Connaissant Samuel, il a probablement des questions. Vous ralentissez le vaisseau, permettant de se rapprocher. Samuel, non grâce à vous, a toujours été pieux. Alors que vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez dire pour le rallier à votre cause, mais il y a là un lien que vous pourriez encore utiliser pour le sauver. Vous observez son vaisseau vous rejoindre, son expression illisible. Une fois à portée de voix, il ne ralentit pas. C'est alors que vous réalisez votre sentimentalité et vous a coûté cher. Samuel n'a que de la vengeance dans son cœur. Il pense probablement qu'il est en train de racheter votre âme.
vous vous résignez au combat. Mais si ça se trouve, il y a bien une... ça se trouve, il y a une vraie campagne et avec une vraie histoire, j'ai l'impression, et ça pourrait être intéressant. Après, faut voir s'il faut recommencer la campagne 18 fois avant d'y arriver, c'est pas la même, quoi. Ok, alors, on va rester là, en fait. Il veut pas nous distancer. Enfin, il veut pas qu'on se rapproche plutôt. Je veux dire. On va faire comme tout à l'heure. Hop. Tac. Ouh là là. Ouh là là. Ok, il n'y a rien à réparer. À part si là. C'est bon, ils l'ont fait. Ça se voit en fait, on a le mât là. C'est des mortiers leur truc. Il est costaud, j'ai l'impression, hein. Par contre, je vois pas. Ah, loupé! Je vois pas trop s'il y aurait d'autres tactiques à avoir sur le moment là. Ouais, je pense pas. Hein. Aïe. Voilà, on se rapproche maintenant. Merci. Et on est prone. Trop proche pour éprôner, ah merde. Ou Ned. Ouais, faut pas que ça coule non plus. Oh merde. Méga. Non, 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 mais revenez! Ah merde! Non! Oh, je sais pas si c'est... Vous distinguez... Victor, vous pouvez distinguer la traîtrise dans le regard de Samuel. Il ne se rendrait pas ni n'abandonnerait jusqu'à ce que vous ayez payé pour votre transgression. Transgression, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Alors qu'il tombait, le regard sur son visage disait tout. Pourquoi? Vous vous souvenez pas d'avoir eu de famille? Les amitiés n'étaient pas encouragées dans la secte, mais Samuel... Vous étiez cher. Vous ne pouvez pas rester ici. Et quand vous dites à l'équipage d'oublier toute fouille, vous luttez pour garder le ton de votre voix égale. Et merde. Est-ce qu'on, il faut peut-être aller les chercher là. Non. Ils n'ont pas l'air morts. Hein. Slow clap, ouais. Ils ont pas l'air morts. Oh là là! Oh là là! Ah non, Draker, non, 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 non! Non! Merci, Draker! Mais non! Oh là là! J'en peux plus! Merci, Draker, pour le host. On va continuer un petit peu, alors. Ah là là! Bienvenue à ceux qui étaient chez Draker! Draker qui jouait à Divinity 2, je crois. Vous tombez à genoux, vous ressentez comme une tempête d'éclairs à l'intérieur de votre crâne et vous percevez une intelligence immense et ancestrale qui émerge de celle-ci. En balayant l'horizon, vous voyez une perturbation non naturelle dans l'eau, mais elle s'approche rapidement. Dernier run, voilà, encore. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont pas morts, en fait. Ah non. Alors ça, vous voyez ? Bon, je suis rassuré, évidemment. Mais je trouve ça pas super logique. ok, on peut changer l'orientation, ouais. Logique. Ok. Et tac. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Non, non! Non! Vous ne pouvez pas détourner les yeux alors que la perturbation vous rattrape. Quoi que ce soit,
Ce sera sur vous dans quelques instants. Trop bien, Sea of Thieves. Ça s'appelle Abandon Ship, Drekker. Je ne jouerai pas à Sea of Thieves. Je sais que c'est un troll, mais... Coucou Drekker, alors est-ce que t'as eu la fibre enfin? D'ailleurs, alors, merci énormément pour le host. Je vais pas trop traîner, je suis complètement vanné. La soirée a été forte en émotions. Au moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, je suis vraiment claqué. En plus, c'est mardi. Le mardi, c'est pas mon jour. Mais bienvenue à toi et à ceux qui étaient chez toi. Ouais, c'est pour ça que tu peux streamer aussi tard. Cool. Ouais, puis t'es plus pris par ton forfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Kraken. Vous n'êtes pas prêt à vaincre une telle bête. Combattez-la et fuyez. Bah, combattez-la ou fuyez, non? Lorsque votre barre de manœuvre est pleine, appuyez... Ah oui, d'accord, sur le bouton fuir pour entamer une retraite désespérée. La barre autour du bouton se remplira. Une fois qu'elle sera pleine, votre vaisseau réussira à fuir la zone. Ouais, mais super. Super. Ce n'est point top. Ma foi. Je peux pas tirer sur quoi que ce soit. Ça non plus. Ok. Aïe. Couper les tentacules qui entravent le vaisseau. Avec les gars en fait, c'est ça? Ah ouais. Tac. Tac. Non. Tac. Tac. Et... Tac. Mon dieu. Maintenant fuyez avant qu'il n'attaque à nouveau. Si vous ne fuyez pas à temps, vous serez constamment attaqué. La barre ne se rechargera que si quelqu'un est positionné à la roue du vaisseau. Et bah je sais, c'est le cas. Mais elle se recharge, elle a qu'à la moitié, on se calme. Je repasse là au cas où. Est-ce que mon... Voilà. Extrêmement, exactement quel plaisir. Eh ben écoute, ouais, GG à toi. Ça fait plaisir. J'espère que ça m'arrivera très bientôt. Mais bon. Moi, ils ont des travaux à faire, donc j'imagine. Allez, la barre! C'est très stylé, ouais. Très très stylé, ça fait un peu peur, hein. Allez! Fuis! Parce que la barre de manœuvre est pleine, appuyez sur ce bouton de fuir la bataille. Ah putain. Ah, ça va marcher. Coupe! Coupe! Non? Je coupe les tentacules et on coupe les tentacules. Coupe les tentacules. Allez. Va. Allez, fuis maintenant. Maintenant fuyez. Maintenant fuyez. J'essaye, monsieur, j'essaye. Ton fucking... il est où le capitaine là? Capitaine, tu vas là. Fuis. Encore une barre. Allez. 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 Oh non, c'est abusé. C'est abusé, ça s'est arrêté. Ah, pourquoi la barre de... Non mais qu'est-ce qui s'est passé là? Chier. Le jet d'angle dans la gueule du navigateur. Zblam, ouais. T'es pas en film, toi tu streames en VDSL. Non, je suis en 4G, Drekker. Je suis en 4G parce que mon ADSL envoie que du 700K, même pas quoi, 500K. J'ai pas vraiment le choix. Et retourne pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Oh, il est bien blessé, le monsieur, là.
j'ai l'impression. Voilà. Maintenant, fuyez! Mais TG! Mais TG, évidemment que je veux fuir! Allez! Allez! Merci! Je connecte trop bien, t'as un gros forfait et 110 gigs! 110 gigs, et c'est limite. Ils m'ont filé 10 gigs de plus récemment. Gratos, je sais pas pourquoi. Donc ça me suffit. Ça suffit tant que j'ai pas que je bosse quoi. C'est-à-dire que la semaine dernière j'étais en congé donc j'ai streamé un peu plus, j'ai dû prendre 20 gigs de plus. Et ça fait 25€ de plus, un truc comme ça. Ça va encore, tu vois. Vous avez blessé la créature qui vous est échappée d'une manière ou d'une autre. Vous avez l'impression que le kraken aura besoin de temps pour récupérer avant de reprendre la chasse. On ne devrait pas traîner. Ça, c'est un bon compromis. Bah ouais, le problème c'est que à cause de ça, je peux pas me permettre de stream en plus de 720 par 30 FPS, quoi. Mais bon. Ok. Je vais avoir un nouveau PC. Nouveau PC jeu. Mon PC jeu, là, sur lequel je joue en ce moment, va remplacer le PC stream. Du coup, normalement, je devrais pouvoir faire au moins du 60 FPS. Petite tache à l'horizon, et elle bouge. Vous sentez les énergies malfaisantes de la secte, bien avant de confirmer ses couleurs dans les airs. Le navire se dirige tout droit en direction de la forteresse de la secte. Vous doutez, donc, qu'il soit à votre trousse. C'est cool. Bah ouais, c'est cool, mais bon, tout ça, ça dépend de la fibre, quoi. Le Kraken, c'était chaud, ouais. Mais je m'attendais à ce qu'on se fasse démonter un peu plus que ça. On peut se barrer. On peut se barrer. On va se barrer et on va stop là. Parce que je n'en puis plus. Je n'en puis plus. À tous les coups, il y aura un fight avant. Ou peut-être pas. Ok. Maintenant que le danger est passé, l'équipage vous bombarde de questions. Vous vous sentez responsable et partagez le peu que vous savez. Cette créature, la secte, l'idolâtre, elle fait partie de ce qu'ils appellent le grand projet. Vous rencontrerez vos efforts pour recentrerez vos efforts pour rejoindre un port le plus rapidement possible, pour le bien et le vôtre. Son influence de la secte est grande. Fuyez ! La douleur sourde dans votre tête s'atténue légèrement et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous souvenir d'un moment vécu sans elle. Vous vous sentez à nouveau vous-même et vous vous demandez ce qu'il faudrait faire pour vous débarrasser totalement de cette douleur. Les cartes que vous avez trouvées dans la cabine du capitaine montrent un port à proximité. Terre, un abri pour vous préserver de ce monstre infernal. Ok, bon allez, on va stop là. Pointe de flèche présente autour de votre vaisseau est une boussole qui pointe vers le point d'intérêt le plus proche. La boussole ne pointera pas vers des choses qui ont été découvertes dans le brouillard de guerre. Si vous suivez la flèche maintenant, elle vous conduira au port le plus proche. Ok. On peut le faire quand même. Allez. Pas se cogner. Lie, lie, lie. Lie, 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 lie. Lie, lie, lie. Voilà. Trouver un port. Ouais, un achievement. Ouais. Une fois le navire amarré, l'équipage semble réticent à se disperser. Après tout, ils seraient encore tous prisonniers des adeptes de la secte, ou pire, sans vous. Proposer un verre d'adieu dans la taverne la plus proche. La première tournée est un peu grave, chacun s'attardant sur ses propres pensées morbides. Une autre tournée ? J'aurais pas dû. Non, on va s'arrêter là. Je vois la discussion qui va durer. Ah non ! Non ! Allez, on s'arrête là ? Mais merde ! Des tentacules s'agrippant de partout, aucune échappatoire. Ils prévoient tous vos mouvements. Attiré inlassablement par vous, comme une boussole vers le nord polaire. Vous en serrant lentement, il vous tire inexorablement vers le bas, toujours plus bas, de plus en plus profondément. Vous vous réveillez moite, la tête qui cogne, le rhum sûrement. Pourtant, cela vous semble plus familier que ça, plus insidieux.
Quelque chose en vous hurle. Et soudainement, vous aussi. Un cri incohérent. Vos membres d'équipage se lèvent et, de leur lit, au moment où la porte saute hors de ses gonds, deux formes ténébreuses en franchissent le seuil. Aux armes ! Heureusement, aucun membre de votre équipage n'a été blessé. La douleur dans votre tête s'atténue. Les deux cadavres sont des alifrons, une sorte de cauchemar à mi-chemin entre un homme et une créature des mers. Des contes folkloriques superstitieux rendus réels. Vous en aviez déjà vu, mais l'équipage n'aurait jamais imaginé qu'il en verrait. En bas, l'aubergiste est mort. Les premiers signes de l'aube se profilent à l'horizon. Glissez-vous prudemment dans les rues et retournez au navire. Dans votre cabine, une discussion mouvementée fait rage au sujet des alifrons pendant que vous contemplez en silence. Vous savez, au fond de votre cœur, que se cacher ne sert à rien. La Terre n'offre aucun refuge. La secte n'aura de repos que lorsqu'elle vous aura. Vous et vous, tous les hommes libres, sous son joug. C'est un problème qui ne peut être résolu que par la grenaille, l'acier et les cœurs volontaires. Votre meilleure et seule chance est de porter un coup fatal à la secte. Tuer le Kraken. L'équipage s'arrête et écoute attentivement ce que vous avez à dire. Vous expliquez que les alifrons ont toujours été là, invisibles, et qu'ils s'en prennent à ceux qui s'égarent près de l'eau la nuit. Vous leur parlez de vos maux de tête et de vos sentiments, qu'il y a un lien entre ces créatures, le Kraken et vous-même. Dites-leur que vous avez l'intention de se battre. La secte, ça me remet en tête la chanson de la secte phonétique. Hein ? Je connais pas. Votre plan de passer à l'offensive est de passer à l'offensive et de couper la tête du serpent de mer est accueilli avec mélange d'admiration et d'amusement. Ils ne sont pas les héros d'une ancienne chasse aux monstres mythologiques. Vous ne pouvez pas les forcer à se joindre à vous dans ce qui pourrait être une mission suicide et malgré leurs regrets, ils vous quittent. Oh ! What ? Vous êtes seul maintenant. Vous avez peu de temps pour vous préparer votre mission. La première étape consiste à visiter le chantier naval avant de recruter de nouveaux membres d'équipage. Peut-être que l'usage de la pièce de monnaie achètera une plus grande loyauté. Mais merde, le jeu, tu arrêtes ! Tu arrêtes ! Les magasins sont des endroits où vous pouvez acheter de nouvelles armes et des améliorations, obtenir des vivres, réparer votre navire ou en acheter un nouveau. Votre or et vos vivres sont consultables ici. Vous pouvez réparer votre coque en cliquant sur l'un de ces boutons. Votre coque ne peut être réparée qu'au port. Cette occasion, nous avons réparé votre coque gratuitement, c'est gentil. Pour acheter des armes et d'amélioration, vous devez les glisser sur la bonne case de votre vaisseau. Achetez le mortier en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en le faisant glisser. S'il te plaît, le jeu. T'arrêtes. Il veut pas. Non. Comme ça. Voilà. Vous pouvez vendre des armes et des améliorations en les glissant depuis l'emplacement de votre vaisseau, celui de vente. Vous obtiendrez un montant réduit en les vendant. Augmenter le nombre de canons. Qui est sur le symbole plus de vos batteries, si tu veux. Là, ouais, tiens. Voilà, je suis dessus. Voilà. Si vous voulez récupérer de la... Non. Il est sur l'onglet. Tac. Putain de bordel. Ouais, ok. C'est pas grave, allez, ouais, j'en ai marre. Je veux arrêter! Merci! Vous dirigez vers les tavernes sur les quais, remarquez quelques membres de la secte. Dans l'agitation du midi, il est facile pour vous de passer inaperçu, il est cependant plus difficile de ne pas enfoncer votre poignard dans l'un d'eux. En approchant d'une taverne, une main saisit votre épaule. Vous pivotez, prêt à vous battre, seulement pour être confronté à votre ancien équipage. Capitaine! Ces membres de la secte semblent nous avoir marqués du même sceau que vous. On est peut-être plus en sécurité tous ensemble maintenant. Et plus, en plus, ce serait dommage qu'on ne soit pas inclus dans les chansons vous concernant. Et ils vont remettre un petit sac lesté à dépenser pour embaucher de la main-d'œuvre supplémentaire. Vous mettez d'accord pour retrouver le vaisseau, ou vous retournez au vaisseau, une fois que vous aurez vérifié s'il y a des recrues potentielles dans la taverne. Non ! Il est temps de partir. Non ! Allez. Ah, si tu passes le tuto, tu comprendras pas quand tu reprendras. Je m'en fous. Parce que je le referai. C'est pas grave, ça. C'est juste une découverte, nom de Dieu. On fait pas le jeu. Oh là là. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était le Kino avec la découverte de Abandoned Ship, qui est franchement bien. Mais par contre, faut avoir du temps, hein. Oh là là, il s'arrête pas le truc. Merci.